Bonjour, je m'appelle Romain, je suis kinésithérapeute, j'ai fait mes études à l'UCL à Louvain-la-Neuve. Actuellement, je suis en Nouvelle-Zélande. Je suis parti il y a 3 ans dans l'idée de rejoindre la Nouvelle-Zélande à vélo. Je devais mettre 1 an et demi pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, il m'en a fallu 2 ans et demi parce que j'ai pris mon temps. Et j'ai traversé toute l'Europe du Sud, les Balkans, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, je suis monté jusqu'en Mongolie. Traverser la Chine et toute l'Asie du Sud-Est. Je suis arrivé il y a maintenant 6 mois en Nouvelle-Zélande. J'ai mélangé un projet autour de la kiné dans ce voyage, donc je ne voulais pas voyager que pour voyager. Et du coup, je me suis lancé le défi de rencontrer des kinés dans tous les pays que j'ai traversés pour documenter un petit peu comment était pratiquée la kiné, comment était l'accès aux soins, comment étaient les possibilités de remboursement et parfois même s'il y avait de la kinésithérapie. Pour l'instant, je travaille ici en Nouvelle-Zélande. Donc dans un cabinet. Je ne suis pas autorisé à faire de la kinésithérapie, de la réhabilitation, parce qu'il faut des équivalences pour ça. Donc ça tourne principalement autour du massage. J'ai un visa vacances-travail. Donc c'est un visa qui permet d'être 1 an dans le pays et d'avoir la possibilité de travailler par la même occasion. Je suis en train de réfléchir à le prolonger, donc d'une part, et mes yeux se portent tout doucement sur l'Afrique, l'Amérique, on verra. J'ai découvert en fait le voyage à vélo quand j'étais étudiant à l'UCL justement, avec le côté aventure. C'était un côté projet, donc le côté aventure qui fait des sorties de plein air, que ce soit escalade, kite. Le côté aventure faisait organiser aussi des conférences de grands voyageurs, que ce soit à vélo. Il y avait eu des marcheurs aussi. Donc des gens qui avaient fait des films ou des expos photos et qui présentaient leur voyage dans un auditoire à l'UCL. Depuis ce moment-là, je me disais, je ferai un voyage à vélo, je ferai un grand voyage à vélo. J'ai croisé au long de mon voyage, oui, que ce soit des Français ou des Belges leurs études à l'UCL. Et j'ai aussi croisé même des étrangers qui étaient venus en Erasmus à l'UCL. Ce que j'ai vraiment en souvenir, moi, c'est la facilité du campus. Le fait que ça soit tout piéton, qu'on puisse tout aller de Locaille à Sciences à pied, vraiment un truc qui rend la vie étudiante vraiment, vraiment sympa à vivre.